J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, émission village de Chirangui, caserne de Malamani et de Mramadoudou. Donc, ce sont des villages qui sont côte à côte l'une des autres, surtout Mramadoudou et Chirangui. Donc ici, on est près de l'école élémentaire Saïd Vita. Donc, on commence notre immersion ici. Alors, bon live à tous et à toutes. Allez, let's go, c'est parti. On arrête tomber là, monsieur. Bon ben. C'est pas vrai, j'ai dit que j'avais des problèmes. Merci. Et, alors, bon, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, on commence l'immersion ici à Chirangui. Déjà, vous pouvez remarquer ici cette zone, quelques toitures de bidonville. D'accord, on n'y va pas plus loin, c'est juste à proximité. Je vous demande de partager le live, les amis. Ici, arrivé à l'intersection de Chirangui, on va monter vers la gauche pour on va aller à la station. On va aller à la station d'abord. Et après la station, on s'immerge dans le petit centre-ville. Ici, on a un petit marché de Chirangui à l'intersection ici. On a un parking là-bas qui ressemble pas à un parking. D'accord. Et le petit marché est ici. D'accord. Donc, j'en doute pas que vous connaissez déjà cette intersection, direction Kanikeli et Bandélé. Mamoudou aussi. Donc là, ici, nous allons prendre à gauche. On va vers la station. Je vous demande de partager le live, s'il vous plaît, les amis. Pour plus de force, plus d'encouragement. Thank you.
après on va se faufiler. Il y a ici quelques bidonvilles quand même. Un petit marché ici. Ici, je sais pas ce qu'on a ici. Salam alaikum. Ici, je sais pas ce qu'on a. On a peut-être un parking, je sais pas. Je sais pas ce que c'est ici là. Donc du coup, ça peut être un beau parking qui peut être construit ici là. Mais c'est du vrai n'importe quoi. De voir que parfois il y a des possibilités pour faire des belles choses, mais les places, on les laisse comme ça, sans rien, sans projet. C'est pour ça que ça favorise à la population de venir jeter leur merde, de décharger, parce que bah, ça peut être un très beau parking, mais il n'y a rien. Donc du coup, les gens, ils commencent, petit à petit, ça commence. Hein. On dépose les voitures qui sont mortes. Donc les gens y jettent. Le même tarif, hein, c'est le même tarif partout. Les véhicules qui sont détruits, stockés n'importe où. Donc là, ici, on a direction Bandélé, direction Mamoudzou, la station Total qui est là. Là jusqu'ici, vous avez vu Bako. Toi tu vois Nancy ou Nzizine Bako va nous une case les mewa. Oh, moi je me place. Donc ici petite décharge des poubelles ici. Bon, rien de méchant. Allez, on va vraiment rentrer dans le but du sujet. On va rentrer dans les quartiers. Nziba ko tamto sona hay. Ro gutsa mi ro hetale me. Nazo zidungum. Ah. Au ti jamba mpros nuka madzi, jita. Alors ici on va s'immerger, on va rentrer dans les quartiers. Alors, quelques bidonvilles ici. Donc il n'y avait pas d'issue, c'était une zone sans issue. Allez, partagez, je vous demande de partager sur votre profil, sur les groupes, pour que les gens puissent s'immerger ici. Non, je ne sais pas pourquoi je suis en train de faire ça. Je suis en train de faire ça.
Uja uketi uzimbala usrenga wanzi Atawale ramplu zema mavi. Ndudzubu wazala mavi. Ureme mindoho weti. Uzitea jif. Nazoka sula. Feni matu watini. Nyawe. Oui. Alors, on s'enfonce peut-être des bidonvilles ici. Je sais pas où ça mène. Parce que moi, j'aime bien m'aventurer là où je ne connais pas. Je ne sais pas sur quoi on va tomber. C'est peut-être des bidonvilles. Alors, ça commence à décharger ici. D'accord. Alors, ici, c'est que des bidonvilles. Voilà, que des maisons en tôle, vous voyez. La partie plus haut, il y en a, j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6. Une sixième en construction. Vous entendez le marteau en même temps que moi. Alors, je vais quand même jouer jusqu'au bout, voir s'il y en a d'autres. Alors ici, c'est que des bidonvilles. Là, c'est un bidonville qui est à côté. Là, ici, on a une maison. Voilà. La grosse décharge ici, ça ne change pas. La grosse décharge de ouf. Vous voyez ? Alors, c'est pas les bouteilles qu'on va réussir à cramer. Alors, moi je vais perforer la ville. Alors ici c'est que de la bidouille, bidonville. Vous voyez, il y a le plan, le traçage ici, on construit. Oh putain, c'est Armageddon ici. Armageddon. On jette partout. On jette partout. Toujours cette notion de jeter partout les déchets. Les carcasses de voitures, même tarif. Voilà. C'est pas un lieu de décharge ici. C'est ça qui est assez triste. Mais bon, les gens, ils viennent jeter. Ça leur m'est égal. Rien à foutre. Oh, calme-toi, il faut pas avoir peur. Oh, oh. Tranquille.
Alors. Là, on va un petit peu plus loin. Mais moi, je veux plus quadriller le côté là-bas d'abord. On va retourner là-bas. Je vais prendre. Alors, je sais pas si c'est censé être des routes ou pas. Ici. Je ne sais pas si c'est censé être des routes ou pas. Voilà. Kabaka eskirine. Alors. Mesdames et messieurs, alors nous arrivons Chiongi. Il y a des petites habitations de l'autre côté. Alors, un grand terrain ici. Je ne sais pas à quoi ça sert. Mais ça peut servir à quelque chose. De créer quelque chose déjà pour la jeunesse. Au lieu de le laisser comme ça, ça évitera que les gens ils viennent jeter comme vous voyez ici. D'accord? C'est ça qui est dommage. Il n'y a pas de projet. Tous les ans c'est pareil, il n'y a pas de projet. D'accord? Jusqu'à ce que ça finisse comme ça. Toute cette zone là, dans quelques années, ça va finir comme ça. S'il n'y a pas de projet ici. Donc je ne sais pas quel projet sera étudié pour être planté ici. Mais bon, j'espère hein, qu'il y aura. Il y aura quand même un projet pour ici. J'espère. Alors, moi je suis à Mayotte, je suis chez moi. Hein. Je suis chez moi à Mayotte. Donc je ne vois pas pourquoi j'aurais peur. Alors que je suis chez moi. Alors ici, pareil. Hein, ça c'est inadmissible. On est en plein de centre-ville, hein. Plein de centre-ville de Chiongi. On a ça. Ici, on a un petit lac qui est contaminé. Le lac contaminé. Allô, là, elle est contaminée, d'accord. Je sais pas ce qu'on a voulu faire. Je ne sais pas ce qu'on a voulu faire ici. Je sais pas le projet de ça, là. Peut-être des enfants qui s'amusaient à jouer avec ça. Je ne sais pas du tout c'était quoi le projet, ni c'est quoi le projet, là. D'accord. Tout ça, c'est des zones où il faut... Il faut tout terrasser, mettre à plat, faire un truc joli quoi. Faire une belle place, je sais pas moi. Mais au moins faire un projet qui sera bénéfique pour le village.
plus, il y a des tractopelles ici. Hein. Avec un tractopelle, tu fais tout ici. Tu peux déjà bien remblayer là. Alors, je vais aller là-bas, on va voir la petite décharge qu'il y a ici. Il y a une décharge qu'il y a ici. Ah. Non, il n'est pas en train de remblayer ici, il ne travaille pas ici, il récupère juste du gravier qu'il y a là. Donc, c'est assez marécageux. Assez marécageux, assez pollué. Malheureusement, il faut pas dire que tous les villages, il y a des belles choses à voir. Hein. Il n'y a pas que des belles choses à voir. Il y a aussi les mauvaises. Voilà. Donc, c'est du beau travail là. Hein. Beau travail, c'est parfait. Parfait, parfait, parfait. Bien. Hein, bon, ici on va continuer. C'est quoi le projet? Qu'est-ce que vous faites, vous deux? Bon. Je sais pas ce qu'ils font. Bakoun Zin Bakou. Oh. Alors ici pareil, même tarif, des charges. Hein? On décharge partout. Hein? Autant faire comme ça, hein? C'est parfait. Décharge, décharge, décharge. Alors ici, c'est la rue qu'on a pris tout au bout. Je vais monter un petit peu pour que vous puissiez voir. Tout au bout, le grand parking de terre qu'on a eu. Donc ça donne ça. D'accord, jusqu'en haut. Et en descendant comme ça.
Béqué, 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 béqué. Oh, Michael. Michael. Michael Jackson. Donc là, ici, à 100 mètres, on a la route principale de Shirongi. Allez, partagez, partagez, partagez les amis. D'écraser les poubelles. Mais je suis là, tu pètes. Je sais pas comment il nettoie ici là. Je sais pas comment il nettoie. Allez, partagez les amis, partagez, partagez ceux qui n'ont pas partagé. C'est tout petit, hein. Alors ici, on a un accès ici. On a un chemin là. Un chemin qui monte. À pain. Thank you.
Il y a la mosquée ici. Ça va, quoi. Assalamu alaikum, wa buri hazino nyombe. Buto jibuntu. Regardez ici, là. Alors ici c'est la mairie de Chirongi. Ah, on vient de croiser la mairie là. La mairie de Chirongi. Ici, c'est une école.
Bon, j'avoue que la commune de Chirongui n'est pas mal. On fera la conclusion. Je ferai la conclusion. On fera la conclusion tout à l'heure, les amis. Non, non, il y a une Porsche qui est en train de pourrir ici, les amis. Il y a une Porsche, vous savez combien ça coûte, ça? Il y a une Porsche qui dort ici. Non. Mais non. Mais non, le frère, il a fait ça. Il a fait ça. Regardez. Ça, ça peut rouler encore, ça. C'est en bon état. Donc ici, on avait le croisement qu'on avait aperçu là-bas. On va... Je vais passer derrière. Tant qu'on y est. Passer derrière. On n'a plus de réseau ici. Pas beaucoup de réseau des fois si ça coupe, les amis. Alors, où nous sommes? Alors, ça nous mène ici. Donc ici, je vois quelques décharges aussi.
sont pas encore venus ramasser. Au bout, il n'y a rien. Alors voilà. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Gare routière. Gare routière, il y a une gare routière. Gare routière de Chirangui en construction. Bon. Ok, derrière la gare routière, une petite belle surprise. N'en parlons pas de la route. Ici, il a pas envie, hein. Il a vraiment pas envie, ça le fait chier. Comme d'autres villages aussi, hein. C'est pas que Chirangui, hein. Comme d'autres villages qui sont à peu près pareils, voire même pires. C'est pas la plus pire, hein, Chirangui, hein. C'est pas la plus pire. Il faut parler de Magica Okoropa et Kaweni, Mamoudzou. Les plus pires pollués que j'ai pu vraiment voir. Et c'est ceux-là. Et l'abattoir aussi. L'abattoir. Je ne suis pas encore allé à Pamandzi. Et quand je parle de ça, c'est pas pour humilier ou quoi que ce soit. C'est pour que la biodiversité maritime et terrestre soit un petit peu correcte à Mayotte, pour que nous puissions avoir nos eaux de mer qui soient propres. Soit propre, saine, sans pollution, d'accord. Je crois que c'est la première nécessité aussi. Le mont Chungi, ça sera une autre fois. Alors ici, on va arriver près du rond-point de Chirangui. On a le collège qui est à côté. Le terrain de foot aussi. Ah, ici, c'est le même tarif. Hein. On vient stocker de la terre ici. C'est que c'est en travaux. Hein. On a le terrain de foot et le plateau là, qui sont côte à côte. Thank you.
Voilà, ici on a le terrain de foot. On a le collège en haut là. À disposition des poubelles ici qui ne servent pas parce que puisque les gens y jettent pas dedans. Bon. Donc ici en face là-bas, vous avez le collège là-bas. Alors, il y a des zones que j'ai pu voir ici dans Chirongi, dans le centre-ville. On peut très bien construire des grands parkings pour laisser les voitures. Vu que c'est tellement petit, les gens peuvent se garer facilement au lieu de se garer sur la route principale et encombrer la route principale. Les bus aiment rouler vite ici. Punaise. Alors, pôle culturel de Chirongi. Ici. Par contre, pour avoir un beau bâtiment, là, ils ont un beau bâtiment. Hein.
Ici, il n'y aura peut-être pas de chemin. Ici, il n'y a pas de chemin. Après, le reste là-bas, je crois que c'est les mangroves. Donc, ce côté-là, je ne peux pas accéder. La route principale coupe la ville en deux, mais la partie au niveau de la mer, mais on ne peut pas accéder. Je suis déjà au sud là les amis. Je suis à Chirongi. Hein. Je suis pas dans le nord là. C'était bien mal. Ah oh, Katsun. Ah. Parfait. Alors ici, vous voyez où on est. Il y a une belle petite collection de déchets ici. D'accord. Très joli. Très joli. C'est pas très l'idéal pour avoir des poubelles ici. Mais... c'est pas un endroit dédié. Oui. Pas très dédié au ramassage des déchets. Mais bon, mais bon. Mais bon. Ah bah c'est bon ça carré. Ah, au chai. Alors, j'aimerais quand même voir à quoi ça ressemble ce côté ici avec ce chemin. Est-ce qu'on a accès à la plage? Il est en train de pisser et chier l'autre là. Fais pas chier toi. Alors, où est-ce que ça nous mène? Putain, il y a des habitations ici.
Le reste, c'est des champs. Donc là, ici, on arrive au carrefour du point de départ. Alors ça doit être un parking. Regardez l'état du parking. Ça doit être un parking celui-là. Ça doit être aménagé pour être un parking. Ben regardez à quoi ça ressemble. C'est quoi un parking ? Je vais pas aller au plus profond là-bas. On va juste rester ici pour vous montrer. Donc voilà les amis. Donc il y a beaucoup de développement à faire ici à Chirangui, d'accord. Vous avez vu le constat. On est vraiment resté à l'intérieur de Chirangui. Je vous souhaite une très bonne journée et ce fut un plaisir de partager avec vous. Des nouvelles aventures arrivent et je vous demande de bien vouloir partager le live pour qu'on puisse être plus nombreux et nombreuses pour les prochaines fois. D'accord ? Voilà, je vous laisse avec ces images, à vous d'en juger. D'accord ? Que Dieu vous garde, que Dieu vous protège, Inch'Allah. Bonne journée, bonne fin de journée à tous et à toutes.